Bonjour, aujourd'hui donc on va voir d'autres astuces sur Excel, c'est liste des validations. C'est très important donc ces astuces. Donc je vais donc dans un premier temps sélectionner le champ sur lequel je vais appliquer la liste des validations. Donc je vais nommer la couleur en jaune, données, validation. Je vais donc par exemple forcer ici l'écriture en texte, donc je vais donc option personnaliser et utiliser aussi ma formule égale et texte je vois la parenthèse et je sélectionne mon champ, je ferme et je mets OK. Lorsque j'écris donc ici par exemple, c'est pas un problème parce que c'est le texte. Lorsque je vais par exemple écrire, il y a une alerte qui m'oblige à écrire le texte. Et la même chose pour les chiffres. Donc je vais donc sélectionner données, validation, je vais donc effacer. Et de la même façon, donc option plus, je vais donc sélectionner personnaliser, écrire ici égal et num, la fonction numérique égal numéro. Je sélectionne mon champ et je ferme. Je vais même voir ici par exemple des messages, exemple ici, numéro, etc. Donc lorsque j'écris le texte, il y a interdiction et il me dit donc écrire des chiffres. Ok. Autre chose, par exemple, je veux ici éviter l'écriture dans ce champ. Ok. Donc je sélectionne données, validation. De la même chose, je vais donc effacer ceci et donc égal personnaliser égal, je sélectionne mon champ et je mets égal à vide. Voilà, donc une fois que c'est pas de problème, mais ici il y a interdiction que ce soit des chiffres ou bien parce que j'ai interdit l'écriture ici, ou bien par exemple, je veux donc. Par exemple ici, faire la somme, de quelle façon avoir ici la somme, je vais donc créer par exemple égale somme de ceci. Je vais donc à ce que la somme ici ne dépasse pas 100, par exemple. Donc je sélectionne la colonne, je mets données, validation. Personnaliser ici égal somme de ceci, je vais donc mettre c'est 4 égal à 100 pour ne pas dépasser 100 dans ce chiffre ici. Donc lorsque je mets par exemple 90, je mets donc c'est 94, je mets 2, parce que je mets 2, c'est pas un problème. Lorsque je mets 3, c'est pas un problème parce qu'on n'a pas encore atteint 100. Mais lorsque je mets 100, c'est pas un problème. Attendez, 5, lorsque je mets ici 2, voilà, parce qu'on ne doit pas dépasser les 100. Donc, à chaque fois, je peux par exemple, il est mis ici, il est ici 60, ici 40, non, parce qu'on ne doit pas dépasser. Donc à chaque fois ici, j'écris par exemple ici 40 et ici 40, mais lorsque je veux même créer ici 20, il y a interdiction. Ça n'a pas ici, juste pour avoir savoir ici qui est la somme, je peux le supprimer, mais il ne faut pas écrire 100 toujours. Ok, à la prochaine fois donc pour avoir d'autres astuces sur la même fonction dans les validations.